Attention, attention! Tous les robots sont attendus sur la ligne de départ. Je répète, tous les robots sont attendus sur la ligne de départ. Oh là là, tous ces robots! Bon, alors disons que les bleus sont à toi et les verts à moi. Ben voyons, petit frère. Tu crois en avoir plus? Ce n'est pas certain. On va vérifier. Les bleus d'un côté, les verts de l'autre. Merci. Toi, tu comptes les bleus et moi, je compte les verts. Alors, moi, j'ai 6 groupes de 12 robots. Et moi, j'ai... Oh là là, 3 groupes de 26 robots. Ça fait combien tout ça? Franchement, les robots, vous auriez pu vous mettre par 10. Ça aurait été plus simple, non? Laisse-les faire, les têtus. Tu viens de me donner une idée. On peut estimer leur nombre. Tu as 12 robots dans chaque groupe. Quelle est la dizaine la plus proche de 12? On voit bien que 12 est plus proche de 10 que de 20. Oui! Et pour les 6 groupes, chaque groupe a 12 robots. 12 fois 6, c'est presque 10 fois 6. C'est donc presque 60. On appelle ça estimer l'ordre de grandeur d'un produit. J'ai compris! Il faut trouver la dizaine la plus proche. Toi, tu as 3 groupes de 26 robots et 26 est plus proche de 30 que de 20. Tu as 3 groupes. Alors 26 fois 3, c'est presque 30 fois 3. C'est donc presque 90. Mais oui! Pour estimer l'ordre de grandeur d'une multiplication, il faut approcher le nombre le plus grand à la dizaine la plus proche avant d'effectuer le calcul. Ouais, et moi avec presque 90 robots, j'en ai plus que toi qu'on a presque 60. Tous les robots sur la ligne de départ! Je répète, tous les robots sur la ligne de départ!